Alors c'est solidaire d'abord, on se rapproche de Noël, mais on a plutôt affaire au père Fouettard en ce moment, hein, avec ce gouvernement qui nous met des lois sécuritaires, et etc. Alors aujourd'hui, on aura par Internet des communications avec Marie-Claude et Denis qui vont nous parler de Bercy et des Corona profiteurs. On aura aussi d'abord une rencontre avec Jean-Louis qui va nous parler de Jean-Claude et on va évoquer avec lui la mémoire de Jean-Claude qui était notre partenaire depuis très longtemps. Après Jean-Louis, je ferai quelques brèves parce qu'il y a plein de nouvelles qu'il faut que je vous relate. Entre autres, on a un premier sujet dont il faut qu'on parle, qui n'est pas un sujet très agréable parce que on est obligé de dire que notre comparse qui était avec nous depuis le départ, puisqu'on était trois à animer cette émission de Solidaires d'abord depuis maintenant 15 ans. Jean-Claude est parti. Jean-Claude est parti. Jean-Claude est parti. Voilà, il avait des problèmes de cœur et il a été opéré. Et puis voilà. Il est resté sur le. Il est resté, voilà. Alors je sais pas comment toi tu pourrais en parler. Moi, ce que je sais, c'est que. Je vous l'ai dit d'ailleurs à tous les deux, j'ai eu le temps de lui dire, je pense que voilà, je regrette pas de lui avoir dit. À tous les deux, moi je vous remercie parce que je pense que vous m'avez aidé à être sérieux, concret dans ces émissions que l'on fait depuis 15 ans. Des émissions qui au départ c'était construite, il faut le rappeler, je pense, à cette occasion-là, à la suite d'un mouvement qui s'appelait Agis. Il y avait un conglomérat de plein de choses très différentes entre des citoyens, des syndicalistes, des gens qui étaient dans les partis politiques, qui avaient monté ce mouvement qui s'appelait Agis 07. Et nous étions à Agis 07, et à un moment donné, on a été mandatés pour faire ces émissions radio. Jean-Claude Cordier, toi, Jean-Louis Chopy, et moi, Michel. Et on l'a fait, on a été très heureux de faire ça, non? Oui. Parce qu'on avait là moyen de dire beaucoup de choses, quoi. De dire beaucoup de choses qui n'étaient pas bloquées par les dires actuels de notre président ou ailleurs, c'est ça aussi. Oui. Il fallait pas dépasser certaines limites, mais quand même. Et Jean-Claude avait été pour l'instant, enfin, par moment un peu trop précis par rapport à ce qu'il citait comme attention, mais quand même c'était. Il avait toujours des très bonnes sources, hein, quand même. Oui, tout à fait. Très clair. Il passait sa vie devant son internet là pour essayer d'avoir les bonnes sources. Il les recopiait sur des petits papiers là. Oui. Alors il venait avec ses petits papiers, et ses petits papiers étaient extraordinaires parce que on le voyait avec 3-4 lignes, il avait quelques mots clés sans doute, et il nous parlait pendant 2 heures parce que l'émission ne durait que 20 minutes, un petit peu plus. Mais lui, avant, il nous avait parlé pendant 2 heures. Hein. Voilà, il fallait souvent l'arrêter. Il dit, attends, ça t'intéresse pas, ça va pas intéresser les gens, ça va pas accrocher entre les deux oreilles et compagnie. Ouais. Parce qu'il était très précis, effectivement, très pointilleux. Oui. Et voilà. Bon. Il faisait vraiment moi, il me semble que j'ai eu l'occasion de dire ça, un vrai travail de journaliste très synthétisant les informations aussi, hein, parce que à des moments il délayait, effectivement, il pouvait délayer dans son discours parce qu'il était, il avait quand même un discours très très généreux, on va dire, mais en même temps, à des moments donnés, il pouvait être très synthétique et te dire voilà, l'info c'est ça, 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 parce que j'ai telle source. T'es prof de maths, quand même. T'es prof de maths, Mais en même temps, un peu historien. Ah oui, c'était sa passion, ça, Et comme toi, Jean-Louis, passionné de plein, plein de choses. Oui, bien sûr, c'est ça, Un peu trop maintenant, puisque ça. Oui. Non, mais bon, voilà, c'est ce qui donnait, effectivement, à chaque fois, une mise en perspective.
de toutes les infos que l'on pouvait discuter, qui étaient amenées avec plein de facettes. On pouvait attaquer de plein de façons différentes, à la fois avec toi et avec lui, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. On était un bon trio, c'est vrai. C'était un bon trio, oui. Bon, moi, je crois qu'il sera toujours avec nous quand même, là. Bien sûr, pas de problème. Moi, je suis persuadé que ça, de ça, oui. Parce que rien que de l'évoquer un peu, là, comme ça, je l'entends en train de parler, je le vois faire, je le vois amener, justement, son regard interrogateur quand on commençait à dire un truc. Est-ce que tu es sûr que tu as bien recoupé tes sources? D'où ça vient, ça? Qu'est-ce que tu dis, là? Ouais. Ouais. Ah oui, ça. Mais j'ai bien apprécié la photo que tu as passée, là, sur Internet, Eh bien, peut-être s'arrêter sur ce sujet-là, sinon il va nous engueuler en disant « vous n'allez pas sur moi ». Oui, il va peut-être faire ça, oui. Bon, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un autre sujet dont on voulait parler, c'est ce constat que, apparemment, ce traité entre l'Union européenne et le Mercosur tombe à l'eau. Alors, qu'est-ce que tu as comme info, toi? Mercosur, d'abord, moi. Précise un peu, parce que les gens Mercosur, alors, il y a tellement de sigles maintenant que... Oui, alors donc c'est un traité qui se ferait entre l'Union Européenne, tous les pays de l'Union Européenne, et le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Paraguay, voilà. Ouais. Hein, c'est ça. Donc en fait, toute la moitié est de l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, oui, tout à fait. Oui, oui, hein, exactement. Après, oui. Ça, hein. Un gros machin. Hein. C'est très très important. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est ce traité et pourquoi il tombe à l'eau? Bah, qu'est-ce que c'est traité? C'est un traité de libre-échange qui permet à toutes les multinationales de faire leur beurre là-dessus. C'est ça qui est terrible. C'est uniquement de ce côté-là. Alors, qu'est-ce que ça permettait? Qu'est-ce que ça aurait permis? C'est vendre des voitures à certains de ces pays pour importer plus de viande et le mettre dans notre marché de la viande qui est déjà sursaturé. Déstabilisation des marchés agricoles, bien sûr, destruction d'emplois dans les secteurs industriels, chez nous et chez eux. Parce que, évidemment, quand on regarde quelles sont les clauses dans ces traités-là, c'est dingue. D'ailleurs, elles sont pas claires. C'est toujours avec un voile par-dessus pour savoir qu'est-ce que ça concerne, quelle manip ça concerne, etc. C'est un peu masqué, c'est un peu opaque. Toujours, bien comme, sûr. Comme toujours, comme le traité constitutionnel européen. C'est avec la nouvelle langue, avec. Oui, bien sûr. Heureusement. Tu tires tes infos de qui là? C'est qui que tu t'es penché sur? C'est un bon article sur une dernière parution de Politis. Là, l'article est fait par Maxime Combes. Oui. Un économiste en charge des enjeux planétaires sur high-tech, sur high-tech et sur attaque. Ouais. Et donc, c'est un mec qui est là-dedans, en plein dedans. Ouais. Toutes les questions, il n'est jamais appris à court, etc. Et là, il a sorti un article assez complet, là. Oui. Une page complète dans l'avant-dernière parution de Politis. Oui. Justement, il y a un tas de trucs, c'est très compact et j'ai pas réussi vraiment à démêler. Mais en fait, moi, dans ce que j'ai compris, alors là, tu as énuméré tous les éléments concrets qui pouvaient être amenés par cet accord, hein, ouais. De destruction d'emplois ou de destruction même de filières, gens. De gens, etc. Et de gens, les Indiens. Il me semble que ce qui a été mis surtout en avant, c'est que ça continuait la déforestation, en fait. Ah ben, ça allait accélérer la déforestation. Ah ben oui, bien sûr. Ben, dès le départ, avec l'arrivée de Jair Bolsonaro, président du Brésil, là, il a commencé par dire « Allez, les multinationales, foutez-moi tout ça en l'air, les Indiens, on les met à côté, etc. On les tue s'il faut, etc. Et il faut à tout prix débarrasser le pays pour pouvoir planter des choses, alimenter du bétail, etc. Et vendre ce bétail, etc. à l'extérieur. Donc Bolsonaro, en fait, il n'a rien à foutre de la population qui existe là. Son seul souci, c'est d'avantager les multinationales. Et en fait, c'est un petit bébé Trump, hein, Bolsonaro. Tout à fait. Hein, ben oui, c'est la même marque de fabrique. Et ils ont été tous les deux élus grâce, entre autres, aux réseaux sociaux, tu sais, avec le fait qu'ils ont grossi, menti, et l'un et l'autre, de la même
manière. Ouais, tout à fait. Ils sont complètement branchés de la, sur le même truc d'ailleurs. Ah ouais. Alors c'est vrai qu'il y a en ce moment il y a une polémique, il y a un truc qui dénonce ce qui s'est monté avec un réseau qui s'appelle QAnon aux États-Unis, ouais. Anonyme. Ah ouais. Et donc apparemment donc Trump en a beaucoup bénéficié et Bolsonaro aussi. Ah. Et ce réseau QAnon a été interdit là récemment par sur Facebook. Donc normalement les parutions maintenant sont filtrées en tout cas parce que bah, c'était tout le temps mensonger. Fake news. Ouais. Ouais. Alors oui, mais c'est pas ça qui nous occupe, c'est ce Mercosur. Ouais, cette déforestation. Attends, quand même, sur 6 ans, il était calculé qu'il y aurait 5% de plus de déforestation par an pendant 6 ans encore avec le traité Mercosur s'il était adopté. Hein. Et c'était évidemment dénoncé par Greenpeace et par la fondation Nicolas Hulot. Oui, parce que ces forêts qu'on détruit là, il faut les brûler de suite. Oui. Et donc en plus, ça a un impact évident sur le changement climatique. Et bien évident, quand tu vois les photos aériennes sur justement le Brésil, c'est affolant, c'est surface qui brûle en permanence. Et effectivement, quand tu dis à un propriétaire terrien de dégager, s'il a la permission de dégager, il dégage. Hein. Les engins passent, les tracteurs, etc. passent plus facilement. Et donc ça fait d'énormes surfaces qui sont en train de brûler. Actuellement, il n'y a pas que là, mais quand même. Tu rappelais aussi que les collectivités territoriales s'étaient opposées à cet accord du Mercosur, hein, c'est ça Ouais. Mais en plus, la conclusion de Maxime Combes dans son article, c'est justement, il faut pousser les collectivités territoriales à soutenir, si on peut dire, cette décision, grosso modo, des gouvernements. Ouais. Une autre, en particulier de Macron, écrivait à Macron, qu'on est d'accord pour que vous bloquiez ce Mercosur, c'est ça? Parce que en même temps, Macron, là, donc raison oblige, parce qu'en fait il est coincé, il est obligé de prendre en fait une position contre ce traité-là. Mm-hmm. Mais il y a quelque temps, tu me lisais même quelque chose. Ah ben, il a dit, c'est un bon accord commercial, bon pour nos entreprises et nos emplois. Voilà. Et d'un seul coup, il revient en arrière. Il revient en arrière parce qu'il est obligé de reculer sous la pression publique. Parce que même en Allemagne, le gouvernement allemand. Bon, dans la même tradition que Macron, hein, de toute façon, c'est tous des ultralibéraux. Ils étaient aussi complètement à fond pour le traité Mercosur. Mm-hmm. Et là, d'un seul coup, on se retrouve avec 80%, c'est ça que tu dis, de la population? Ouais. Ben, il y a eu un gallup sur les 4 pays européens, là. Ouais. France, Allemagne, Pays-Bas et Espagne. 80% des personnes, on est contre. 80% des personnes interrogées ont dit qu'ils étaient contre. On dit qu'ils étaient contre Mercosur. Ouais, ça veut dire que, ce qu'on discute sur les radios, ce qu'on discute, etc., dans les périodiques et autres, ça porte quand même sur les gens. Ouais, d'accord. Alors c'est vrai que c'est pas nouveau, hein. Il y a eu pour l'Union européenne, par exemple, ça a commencé avec le traité de Rome, et puis il y a le TAFTA, il y a le CETA, il y a le JEFTA, hein, avec Union européenne et Japon. Il y a l'ALENA pour l'Amérique, Amérique, Canada et Mexique. Et c'est vrai que ces traités, ils sont là seulement comme pour accélérer encore un petit peu plus cette libéralisation. Cette société néolibérale. C'est-à-dire cet ultra-capitalisme, appelons-le un chat, hein. Et tout ça, évidemment, ça ne fait que notre société n'est plus que là comme comptable. Mmh, elle est là plus pour combien ça coûte, quels sous, etc. Mmh. C'est pour ça que Macron dit que ça coûte un pognon de dingue, par exemple, quand il faut de l'aide sociale. Alors, mais fermer sa gueule, ça n'a pas fait de la pub, là. Ouais. Enfin, c'est ce qu'ils pensent tous. Oui, tout à fait. Ouais. Je pense que maintenant, quand il te voit, tu vois, il doit avoir un espèce de logiciel dans la tronche où combien il gagne, combien il coûte, enfin voilà, il te à voit. L'américaine, tu sais, complètement ça. Là. Il faut afficher ce qu'on gagne, ce qu'on. Ouais. Mais peut-être qu'il pourrait mettre ça avec les comment ça s'appelle le truc Covid là, tu sais là, une application pour lutter contre le Covid. Ah oui, oui. En même temps, voilà, il pourrait afficher combien tu coûtes. Exactement. Hein. Oh, ça va venir, ben. Ça va venir. Allez, ciao. Ciao. Alors 4 brèves de proximité. D'abord, à l'avis de Dieu, l'arrêté de la préfète pour la construction de cette centrale à bitume à chaud. À Gros-Pierre, une antenne délirante pour que un particulier puisse ériger un mât, commercialiser des abonnements au Wi-Fi.
relais de réseau, moins d'État, plus de pognon pour certains et plus de pagaille pour tous. Des gens qui ont fait la manif du 6 février, donc il y a un an presque maintenant, hein, sont convoqués, alors syndicalistes et manifestants, par la police pour une soi-disant dégradation de la CAF. On voit que la police devient très très agressive en ce moment. Hein. Ça fait penser à cette loi sécuritaire qui est de pire en pire. On n'aura bientôt plus le droit à la liberté que d'être surveillé. Fin du pays en Ardèche. Alors le pays, c'était quelque chose qui permettait, plus loin que tous les partis, de mettre en place des projets de développement du territoire. Et ce pays va s'arrêter, c'est le souhait de Wauquiez et des élus de droite locaux qui ont voté contre, qui ont voté l'arrêt, la cessation de ce pays. Alors il y a plein de gens qui sont révulsés par ça parce que c'est un grand gâchis pour les humains, pour les emplois, pour les études en cours, c'est un gâchis financier, enfin voilà, à proximité en tout cas. Malgré les promesses du ministre Le Maire, fermeture de Bridgestone, Carrefour licencié à tout va, l'État n'a plus les moyens de toute façon d'intervenir. Hein. Évasion de l'industrie et drame de l'emploi et d'une région. L'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES signe la fin de la sortie du glyphosate. Vous avez bien entendu, Macron avait promis 3 ans avant de sortir du glyphosate, mais maintenant, 3 ans après, on ne sort plus. Enfin, une dernière petite brève venue d'Allemagne avant de rejoindre Marie-Claude et Denis. Dans le journal Die Zeit, il est dit « La gestion de Macron est presque monarchique. Les décisions majeures concernant un confinement ou un couvre-feu sont prises dans un conseil de défense. La confiance du peuple français pour son gouvernement est la plus basse d'Europe. » Bonjour Denis et Marie-Claude, aujourd'hui vous voulez nous parler de tous les financements qui sont arrivés à cause de la crise du Covid pour les grosses entreprises. Oui, oui, bien sûr. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de gros sous-sous, là, hein. Les sous-sous que l'État donne aux entreprises, nos sous qu'il donne aux entreprises. Donc, c'est les aides aux entreprises qui représentaient déjà, là, les autres années, 150 milliards d'euros. Avec la crise du Covid, les entreprises du CAC 40 ont reçu en plus 30,3 milliards d'aides publiques. Dont, pour le plan d'urgence, 7 milliards à Air France et 5 milliards à Renault. On a ciblé plus sur les entreprises du CAC 40, parce que c'est elles qui remportent le gros. Oui. D'accord, bien sûr. Ok. Tu me parlais aussi de baisse d'impôts sur ces grosses entreprises. Oui, oui, bien sûr. Alors, il y a le plan d'urgence, il y a les aides publiques, mais il y a aussi les baisses d'impôts. Les entreprises ont eu une baisse d'impôts de 100 milliards pour le plan de relance. Ah ouais. Et 30 milliards pour le chômage partiel, qui a concerné 12,9 millions de salariés du salarié du privé. C'est-à-dire qu'il y a eu 12,9 millions de salariés qui étaient au chômage partiel. D'accord, ouais. Et donc, en fait, ce chômage partiel, il a été pris en charge par l'État, et les entreprises ont quand même eu jackpot. Voilà, elles ont touché les deux côtés. Okay. Elles ont eu moins de payer des salariés, et il y en a qui se sont fait prendre parce qu'ils travaillaient chez eux et les entreprises étaient déclarées au chômage. Ils trichent, évidemment, ils trichent. Il y a aussi le report ou annulation des charges fiscales. Donc, c'est la Sécu, en partie. C'est 76 milliards d'euros. OK. Et il y a eu 300 milliards de prêts garantis par l'État. Donc, est-ce qu'ils vont rembourser? Est-ce qu'ils vont pas rembourser? Est-ce qu'ils pourront rembourser, même? Est-ce qu'ils vont pas faire du chantage en disant, si on rembourse, on met la clé sur la porte? Ça reste à voir. Est-ce que tu as des cas précis, je sais pas, une entreprise comme Total, par exemple? La multinationale Total, elle a touché 6,93 milliards pour le plan d'urgence et compte supprimer 1150 emplois en France. Total a des filiales, a 168 filiales dans des paradis fiscaux. D'accord, donc c'est le scandale intégral, c'est-à-dire qu'il touche du pognon, il licencie et tout va bien, quoi. Ouais, et en plus, avec les paradis fiscaux, ils peuvent mettre leur pognon là où ils veulent et ils trichent, c'est les abus. Ben, c'est le problème de l'évasion fiscale. Alors, est-ce que c'est que les entreprises ou est-ce qu'il y a des gens, des particuliers qui, au total, bien sûr, des patrons d'entreprises ou, je sais pas, moi, des gros financiers qui touchent le jackpot dans l'histoire, en fait? Ah oui, alors là, c'est le top du top, là. Alors là, ça fait pas rire, hein. Donc, le plus fort, on va dire, celui qui touche le plus, c'est Bernard Charles de Dassault Systèmes.
qui touche 24,7 millions d'euros par an. Pour exemple, Bernard Charles gagne en une journée ce qu'un smicard gagne en 3 ans et 8 mois. Tu en as d'autres comme ça ? Oui, François-Henri Pinault, président directeur général du groupe Kering. Alors Kering, c'est plusieurs marques, hein. C'est Gucci par exemple, Gucci, Saint Laurent, Bottega, Veneta. Et lui, il a touché 16,6 millions d'euros. Voilà. Ça ruisselle. Ah, oui, oui. Ah, oui, oui, oui. Oui, oui, ça ruisselle. Daniel Julien, de Téléperformance. Alors, c'est le leader mondial de la gestion multicanal, coté au 440 depuis juin 2020. C'est pas assez récent, hein. Lui, il a touché 13,2 millions d'euros. C'est impressionnant, quand même. D'accord. Et la moyenne des grands patrons du 440, elle est de plus de 5 millions d'euros. Ils sont pas à plaindre, hein. En fait, un patron du CAC 40 a touché en moyenne plus de 500 000 euros de dividendes au titre de l'exercice 2019. Mais la palme revient à Jean-Paul Agon, qui est PDG de L'Oréal, du groupe L'Oréal, et qui a reçu la somme de 4,6 millions d'euros de dividendes, en plus de sa rémunération officielle, qui est de 9,8 millions d'euros. Sa rémunération, c'est la cinquième du CAC 40. C'est tous ces millions dont tu parles, c'est ce qu'ils touchent par an, ces gens-là. Les dividendes, c'est les actions. Ils ont des actions, ou alors ils donnent des actions. Alors, on fait cadeau d'actions, les entreprises leur donnent des actions pour qu'ils montent leur revenu. Donc, c'est même pas qu'ils les ont achetées. Le simple citoyen, s'il veut avoir des actions, il se les paye. Donc, on les donne. T'as d'autres exemples? Ouais, ben, on a Veolia. Veolia, ouais. Vous savez, c'est l'entreprise qui va acheter Suez pour faire qu'un gros de l'eau pour boire. Eh ben, il a versé 284 millions de dividendes. Et ces mêmes entreprises avaient envisagé cette année. Bon, évidemment, avec la crise de Covid, ça remet un peu les choses à plat. Elle voulait verser cette année 53,2 milliards d'euros de dividendes en 2020. Ouais, enfin, c'est impressionnant. Hein. Les chiffres en question, là, ils étourdissent parce que, enfin, on finit par plus savoir vraiment ce que ça veut dire, millions, milliards, etc. En gros, bon, donc tout le monde en croque. En gros, avec ce pognon-là, ils sont aidés dans leurs entreprises, mais même au niveau individuel, puisque ça abonde les actionnaires, etc. Et tout ça, en fait, c'est un rapport public que vous avez trouvé qui a été fait par Attac. L'Observatoire des multinationales, c'est un truc d'Attac, ça. Ah, oui. C'est Attac, oui. France. Ils ont fait un rapport qu'on peut trouver sur Internet, sur Allo Bercy. Ouais, d'accord. Vous tapez Observatoire des multinationales. Ouais. À l'Aubercy, et vous trouvez, il y a 16 pages de rapport. Est-ce que ça a à voir avec la démocratie? Il y a plein de choses qu'on peut dire autour de ce rapport. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises du CAC 40 doivent publier un ratio d'équité. Alors bon, moi, je suis pas très calée, donc je suis allée voir ce que ça voulait dire, un ratio d'équité. Oui. Un ratio d'équité, c'est la comparaison de la rémunération du dirigeant au salaire moyen et médian des collaborateurs. Ouais. C'est un nouvel indicateur de la bonne gestion, on va dire, et c'est désormais, depuis peu, une obligation légale. Oui. Mais pourtant, la loi est détournée par les entreprises, soit qu'elles ne déclarent pas toutes leurs filiales, soit qu'elles se trouvent dans des paradis fiscaux. Mais ils ont triché, une fois de plus. Ils n'ont pas mis les pays européens, ces paradis fiscaux, que ce soit l'Irlande, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg. Ils les ont exclus. Ils ont mis les Bahamas, les trucs perpètes, les Caïmans. Et du coup, ils rentrent dans le cadre. Alors que c'est reconnu que c'est par l'Irlande et compagnie, nos voisins de l'Europe, sont des paradis fiscaux. En fait, ce qui apparaît, c'est qu'il n'y a pas de transparence dans tout ça. Hein. C'est-à-dire que, en fait, c'est ce pognon et tout, qui normalement, dans un système démocratique, devrait être accessible à tous les citoyens. En fait, il n'y a pas d'observatoire officiel. Hein. Là, c'est une étude qui a été faite par Attac, donc une association, mais il n'y a pas d'observatoire d'État pour pouvoir dire où vont ces sous. Et il n'y a aucune vérification. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a laissé, on les laisse faire ce qu'ils veulent, quoi. Il y a l'exemple de Orange. L'État détient 13,9% et 9,6% via BPI France. Ouais. Et pourtant, cette Orange verse quand même 1,3 milliard d'euros à ses actionnaires. Dans ce rapport de Bercy, à la deuxième page, on voit un tableau qui apparaît.
et qui nous montre qui profite pour augmenter ses dividendes. Alors, il y a plein d'entreprises qui en profitent. Qui en profite pour supprimer des emplois? Il y a plein d'entreprises qui en profitent. Qui en profite pour carboniser le climat? Donc, en fait, ils font plein de rejets de CO2. C'est pas un problème, même s'ils ont des aides d'État, etc. Bon, enfin, bref. Qui en profite pour occuper les paradis fiscaux? Enfin, on a la totale de tout ce qu'il faut pas faire, quoi, en fait. Hein. Je trouve très grave qu'il n'y ait pas cette transparence sur la communication de ces financements, hein, parce que c'est un petit peu un truc dont on avait parlé. Si je fais un raccourci, l'aspect économique devient l'argument principal qui valide le système tout entier, ce système-là néolibéral. Hein, et on se trouve là face à une puissance économique qui génère des sacrifices. On est obligé de faire des sacrifices pour aller dans le sens de ce qu'il nous explique sur la concurrence libre, sur les compétitivités, etc. Et en fait, on se retrouve à être obligé d'accepter cette opacité complètement surréaliste sur les stratégies économiques. Et donc, il y a un vrai problème démocratique quand même. Le truc typique, c'est Macron, là, quand il a visité l'usine de Sanofi, il annonce le soutien et la relocalisation de l'industrie pharmaceutique. C'était l'histoire des produits et des remèdes qu'on n'avait plus, qu'il fallait aller chercher en Inde ou en Chine. Et quelques jours plus tard, eh ben, Sanofi annonce 1000 suppressions d'emplois en France. Donc c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez recherché, l'un et l'autre, Denis et Marie-Claude. Et donc voilà, encore une fois, on ne peut qu'être dépité par les mensonges d'État, en fait. Hein. À bientôt. À bientôt, au revoir. À bientôt. Au revoir, bon courage.